frères et sœurs qui se trouvent du côté de l'Algérie. Courage à vous, les chers petits frères. Ah oui, Dieu protège les orphelins et les aventuriers. Que le Seigneur vous garde. Courage à vous. Faites un bloc. Restez en groupe. Restez en groupe. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous mes petits frères et sœurs innocents, innocents, qui sont victimes, victimes, mais qui sont en train d'être lynchés, blessés à cause du football, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de fuir la misère dans leur pays. Donc comme ça, du courage à tous mes petits frères et petites sœurs et mes grands frères et mes grandes sœurs qui se trouvent du côté de l'Algérie. Car les vidéos sont atroces. Restez en bloc. Ça, c'est le conseil pour vous donner. Partagez le direct. Restez en bloc. L'union fait la force. Unissez-vous. Unissez-vous. Les Camerounais de l'Algérie ainsi que les Africains subsahariens. Faites un bloc. Unissez-vous. Nous connaissons tous le comportement de ces gens-là. Voilà, n'écoutez pas les ondits. Nous connaissons. Même pour rien, c'est les gens qui t'agressent. Celui qui parle des pays maghrébiens. Derrière celui qui parle d'eux, qui ne les connaît pas. C'est qui ne les connaît pas. Voilà, c'est qui ne les connaît pas. Parce que j'ai vu la vidéo de l'un de mes frères. J'ai vu la vidéo de Waman. Waman, la manière qu'il parle là, c'est comme si... Non mon frère, je n'ai pas... Je ne te crache pas, je te dis la vérité. La manière que tu parles, c'est comme si tu n'as jamais été au Maghreb. Fais attention à ces gens-là. Voilà, ces gens sont capables de tout. Voilà. L'homme arabe n'est pas comme nous là. Pour lui là, il ne connaît pas le buzz. Voilà, il ne connaît pas le buzz. Quand il dit wallahi, c'est wallahi. Quand il dit wallahi, c'est wallahi. Il ne connaît pas le buzz. Peut-être tu n'as jamais été au Maroc. Peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu n'as jamais été en Algérie. Peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu n'as jamais été en Libye. Voilà. Peut-être tu n'as jamais été en Tunisie. Les Arabes les plus sobres du Maghreb, c'est les Tunisiens et les Égyptiens. Les Arabes les plus sobres, voilà, c'est les Tunisiens et les Égyptiens. Marocains, Algériens, Libyens. Les Libyens, alors, n'en parlons plus. Les Libyens, au temps de Kadhafi, comme ils vendent les noix en esclavage là. C'est comme ça qu'ils faisaient mon temps de Kadhafi. Comme les Libyens vendent les noix en esclavage. C'est comme ça qu'ils faisaient mon temps de Kadhafi. Donc restez en bloc. Je m'adresse à vous. Ne marchez plus seul. Parce que j'étais toujours sûr qu'ils vont riposter à la chicotte que Samuel Eto'o a donnée à ce petit morveux là. Voilà, nous devons soutenir notre frère Samuel Eto'o. Mais attends, à ce mettons aussi en garde. Mettons-nous en garde. Parce que pour moi, ce qu'il a fait n'est pas bien. Quand on atteint un certain niveau, on se comporte plus n'importe comment. Pour moi, ce que Samuel Eto'o a fait n'est pas bien. Voilà, voilà. On va dire que oui, c'est un être humain. Non, non, il n'est pas. Il n'est plus comme un être humain normal. Voilà. Il a le droit et le devoir d'être posé face à certaines circonstances, face à certaines situations. Même pour faire la guerre, les Américains protègent d'abord les citoyens à l'étranger. Même quand les Français veulent t'attaquer, ils protègent d'abord les citoyens qui sont dans ton pays. Même les plus grandes puissances du monde, quand elles veulent attaquer un pays, elles protègent d'abord les citoyens dans le pays là. Donc c'est pourquoi depuis l'affaire de l'Algérie, Maroc là, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que si je parle là, je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Parce que eux, ils savent se venger. Les films ne nous trompent pas. Eux, ils savent se venger. Donc laissez les bruits que vous faites là comme ça là. Vous êtes là, vous faites les bruits là. Avant de faire n'importe quoi, il faut penser que on a les frères là-bas. Sinon tu es un égoïste. Avant de faire n'importe quoi dans la vie, si tu tues ton frère là-bas, ta soeur quelque part, avant d'attaquer là-bas, sache qu'il risque d'avoir les représailles sur lui.
Donc il faut faire attention, laissez les bruits que les gens font là chaque temps. Donc Waman, j'ai vu ta vidéo, tu dis que non, tu n'envies rien. Tu n'envies rien aux Algériens, tu n'envies rien aux Marocains. Non, tu envies quelque chose. Tu envies quelque chose parce que tes frères passent par là-bas pour arriver en Europe. Peut-être toi tu peux partir en Europe, mais tes frères passent par là-bas. Et si tu ne reconnais pas que tes frères passent là-bas, ça veut dire que tu es un égoïste. Ça veut dire que tu penses à toi seul. Même avant de combattre quelqu'un, même avant de clasher quelqu'un, il faut mettre l'émotion de côté. Quand tu dis que tu n'envies rien, c'est l'Algérien qui n'envie rien chez toi. L'Algérien n'envie rien chez toi. L'Algérien peut dire à un Français que moi je n'envie rien à un Français. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu n'envies rien chez un Français. Mettons l'émotion de côté, hein. Mettons l'excès de côté. Nous sommes même notre pays. Mais il faut se dire la vérité. Chez toi, il n'y a pas d'eau. Et ils ne connaissent pas la coupure de lumière. Et ils n'ont pas de problème d'eau. Et ils n'ont pas de problème de santé. C'est clair. Ils imposent les traditions n'importe où. Laissez les histoires que vous faites sur Facebook là. Comment un homme comme toi, tu peux dire que tu n'envies rien chez un Algérien? Non, 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 c'est toi qui... C'est lui qui ne t'envie pas. C'est lui qui ne t'envie pas. C'est vous qui passez là-bas pour aller en Europe. Est-ce qu'il y a l'Algérien même passé ici là pour aller où? Le plus beau pays en Afrique subsaharienne qui peut rivaliser l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire le plus beau pays qui peut rivaliser l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud. J'ai fait tous les pays là. L'Égypte peut dire que, hé, on se coûte à l'Algérie. Le reste là, calmez-vous. Étendue, richesse, l'Algérie c'est le maître. L'Algérie c'est le maître. Richesse, ils imposent les cultures. Même en Europe, on a peur d'eux. Toi là, tout on peut te ramasser, on te jette, on te tape, on ne fait rien. Mais eux, ils gagnent, ils cassent. Et ils perdent, ils cassent. Donc laissez ça. Donc quand on va parler souvent là, conscientisez les petits frères. Dites aux petits frères, restez en bloc, restez en groupe. Parce que l'heure, ce n'est plus à l'amusement. Parce qu'il y aura les représailles. C'est comme ça qu'ils font. Nous tous, on connaît. Donc c'est pas sur tout qu'on vient donner son avis qu'on ne connaît pas. Nous, on a fait le pays arabe, on sait comment ils se comportent. Tu gifles un arabe ici là. Il voit ton frère ailleurs. Il dit que coule le sem-sem. Il va aussi gifler là-bas. C'est comme ça. L'arabe a un problème avec toi. Il voit une autre personne, un noir, il confond. Et celui-là paye le prix. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils vivent. Voilà ce qui veut dire le vrai amour. Voilà comment on dit le vrai amour. Il n'y a même pas match. Mon ami, calme-toi. Laisse ça. Le Maroc, c'est hier. Le Maroc commence à sortir hier. Le Maroc est développé, oui, mais... Joël, le Maroc est développé, non, mais c'est hier. L'Algérie est développée depuis la nuit des temps. Et en termes de richesse, ils sont riches depuis la nuit des temps. Tu comprends, mon frère Joël? Ils sont riches depuis la nuit des temps. À un moment, c'est maintenant si qu'on a découvert certaines choses au Maroc. La richesse du roi du Maroc, c'est quoi? N'est pas c'est la chiche là qu'on bulle là, qui rend les cils des gens noirs. Pas c'est sa richesse là-bas. N'est pas là-bas, on vend ça légalement. N'est pas les Marocains acheter ça pour venir vendre en Libye, tout ça, à notre époque. Mais quand on dit que la richesse, le gaz de la France, ça sort de l'Algérie. Une partie. Le pétrole, tout ça. Il y a le pétrole, ils sont riches. Ils sont riches. Avant de parler de certaines choses, qu'on se calme. On conseille les petits frères. Ne faisons pas la gueule pour rien. Voilà, ils imposent la culture. Ils voyagent avec le madras. L'enfant algérien arrive en France. Avant de parler deux mots français, il reçoit déjà 10 mots arabes. Voilà ce qu'on veut dire la culture. Voilà ce qui veut dire la culture. Ils voyagent avec la culture. Je dis même que l'enfant algérien arrive en Europe, partout. Il parle d'abord sa langue arabe. Avant de commencer à citer deux mots en français, en néerlandais, en allemand. Vous ne connaissez pas les réalités, donc parfois il faut se calmer et dire à nos petits frères, petits frères, il est temps pour vous de rester en bloc. Il faut faire bloc. Parce que les gens que... Et tout ça, c'est avec la complicité de la police là-bas chez eux. Avec la complicité de l'armée, avec la complicité de la gendarmerie. C'est très important ce qu'ils sont en train de dire là.
Vous devez rester en bloc, ne marchez plus seul. Ne marchez plus seul. Ne marchez plus seul. On parle de Samuel, c'est Samuel Eto'o. On parle comme ça de Samuel Eto'o. Et celui-là a eu son buzz. Parce que quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois te ressaisir face à certaines choses. Oui, c'est bien beau, il a son ego. Peut-être on a touché sa personne. Parce qu'il faut aussi savoir qu'est-ce que le gars là a dit. Parce que les gars sont capables de nous appeler même que négro, abed, esclave. Ils sont capables. Il est capable de dire ça à Eto'o. Il est capable d'agresser même Eto'o. C'est les gens qui te tuent même pour rien. C'est les gens qui ont un niveau de méchanceté très élevé. C'est les gens qui ont un niveau de rancune très élevé. C'est pas les gens qu'on blague avec eux. Même avant de t'attaquer à quelqu'un, il faut connaître ses faiblesses et ses forces. Donc mon frère Waman, quand tu m'as expliqué là, ils ont chassé la France chez eux. La détermination, ils sont plus déterminés que vous. Dans la diaspora, vous êtes divisés. Vous ne vous aimez pas. Chez eux là-bas, tout le monde mange bien. Le groupe, ça ne manque pas. Donc pour faire souvent certains débats là, il faut venir partager les connaissances aux frères. Ne venez pas seulement parce que là, non, je n'en vis pas cela. Non, 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 tu n'en vis pas, mais tes frères en vivent ces gens. Tes frères, mais à un moment de la vie, quand on atteint un certain niveau de la vie, on doit te poser. On doit te poser, monsieur. On doit te poser. C'est très important. Parce que ces gens-là nous cherchent depuis. Ces gens nous cherchent depuis. Ces gens nous cherchent depuis. Normalement, Samuel Eto'o doit marcher avec les gardes du corps. C'est les gens qui ne blaguent pas. Samuel Eto'o doit marcher avec les gardes du corps. C'est très important. Mais attendez, regardez pour le ballon. Regardez alors la guerre, quand il y a la guerre chez eux. Les kamikazes. Regardez, c'est le comportement. Ils sont déterminés. Ils sont élevés. Ils sont dans la tradition. Ne blague pas un homme qui croit à sa tradition. C'est les gens qui croient à la tradition. Le conseil qu'on doit dire, donc passez le mot à nos petits frères qui sont en Algérie. Dites à ces petits frères-là que pardon, marchez en groupe, en bloc, c'est très important. Non, tu dois arracher, mais c'est ton image que tu salis. Lui n'a rien à perdre. On ignore tous ceux qui n'ont rien à perdre. Maintenant, il s'est fait connaître. Il t'a dit qu'il perd quoi? Même si Samuel Eto'o l'arrachait dedans, lui ne perd rien. C'est Samuel Eto'o qui a quelque chose à perdre. Les Zinedine Zidane ont eu raison. Il a têté. Mais regardez. Tu n'as rien à perdre. À un moment de la vie là, le combat que tu as gagné, tu ne reviens pas sur ça. Tu avances. À un moment de la vie, le combat que tu as gagné là, tu ne reviens pas sur ça. Tu avances. Ou tu te tais. C'est ça le comportement. Mon modèle, c'est Nelson Mandela. Mon modèle, c'est Nelson Mandela. Et pour être comme Nelson Mandela, il faut jouer à l'hypocrisie. On ne demande pas d'être vrai à un moment de la vie. À un moment de la vie, pour gagner, il faut jouer à l'hypocrisie. Tu sais que tu as gagné, mais on t'agresse. Tu comprends le pourquoi celui-là m'agresse. Celui-ci m'agresse parce qu'il a perdu. Tu as battu quelqu'un sur le terrain. Tu n'as plus besoin de lui battre avec les mains. Non. Non. Calmez-vous. Quand la terre, c'est un niveau de la vie là, non. Laissez ça. J'ai vu Francine Ngannou ici là. J'ai vu Francine Ngannou ici au Parcours Vita. Il y a quelqu'un qui a fait les choses là. Si c'était n'importe qui. Mais le gars était posé. Puisqu'ils ne vont jamais laisser Samuel Eto'o tranquille jusqu'au jour où ils vont gagner le Cameroun. Est-ce qu'ils oublient quelque chose? Mais attendez, mais est-ce qu'ils oublient quelque chose? Ils n'oublient rien. Oh! Moi, j'ai été musulman au Soudan. Moi, j'ai fait l'islam au Soudan. C'est une culture que quand ça te prend là, laissez ça. Dans l'islam, si un jour je vais croire une religion, je vais entrer que dans l'islam. Parce que c'est une culture. C'est pour les déterminer. C'est pour les déterminer.
D'ailleurs, on forme quelqu'un à se sacrifier pour le bien des autres. Le gars est dans son rôle. Il a réussi son coup. Terminé. C'est comme les paparazzi en Europe. C'est comme les paparazzi aux États-Unis qui poursuivent les stars. C'est l'homme qui est grand en face d'un petit qui doit se maîtriser. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes en train de jubiler. Ça, c'est parce qu'on est au Qatar. Mais si c'était dans un pays européen, on ne parle plus de ça. C'est parce que nous sommes dans un pays comme le Qatar, où les droits de l'homme sont limités. Imaginez, c'était en Europe. Imaginez. Tu vas beau parler ce que tu vas parler là. C'est sa parole contre la sienne. Tu vas beau parler ce que... Il m'a agressé, il m'a... Qui a écouté? Personne n'a écouté. Tu es dans le problème. Donc nous devons dire à notre frère, ton niveau te permet de te maîtriser. Ou tu te fais garder. Il doit se faire garder. Il va se faire garder. Moi, j'ai fait la vidéo, pourquoi? Parce que depuis là, j'ai peur de mes petits frères qui sont en Algérie, là-bas, au Maroc. Regardez comment l'autre jour, parce que le roi marocain a ses problèmes avec les Occidentaux, il ouvre la frontière que allait traverser. L'autre jour, le roi marocain a son problème avec, avec l'Espagne. Il ouvre la frontière que les gens partent passer. On les a arrosés, il a eu ce qu'il voulait, on a refermé. Faites attention. L'être humain n'est plus rien. Faites attention. Voilà, vous avez dit que oui, Simi. Bon, oui, Simi, tu es où aujourd'hui? Oui, Simi, tu es où? On l'a condamné, non? Parce qu'il a utilisé la violence, non? Alors qu'il partait soutenir quelqu'un, non? Samuel, tu dois se calmer. Il faut qu'on lui dise la vérité. Quand tu atteins un certain niveau-là, c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Quand tu atteins un certain niveau, après le Olana, tout et tout, tout ce qui se passe là, il doit se calmer. Il doit entrer en jeûne. Il doit prier. Samuel, toi, il a fait un jeûne d'un mois. Parce que quand on prie, il aussi, même spirituellement, on est attaqué. Et quand tu es attaqué spirituellement, ton seul remède, c'est le jeûne. Laisser le ventre creux. Ah, c'est très important. C'est très important. Et c'est dans le jeûne que Dieu va te donner la vision. Les vraies personnes avec qui marcher. Parce qu'on ne peut pas briller et avoir aussi autant de chaos. Mais comment? Le Cameroun est rentré. Même si tu as tes nerfs, tu dois te maîtriser. Parce que ça veut dire que tu as donné raison à ses détracteurs. Samuel te donne raison à ses détracteurs. On est rentré perdant. On est rentré perdant. Et de sur quoi? C'est un joueur avec qui on était en harmonie, que les Camerounais aimaient. Tu les as mis au banc. Et te voilà encore, tu parles de discipline. La discipline, la discipline. Où est alors la discipline? Où est la discipline? La discipline est où? Comment celui qui parle de discipline peut se comporter comme ça en public? Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous parlez quoi là? Où est la discipline? Où est la discipline? Aujourd'hui, est-ce qu'on bagarre? Ah, c'est ça, dis donc. Oui, mais comment la panthère? On a vu Koffi Olomide. Il a botté sa chanteuse. Il est rentré, on l'a mis en cellule. Arrêtez ça. On est dans un pays de problèmes, hein. Il y a les vrais problèmes. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ce que vous en dites là. On doit se maîtriser. Parce que le monde entier te regarde. Pas comme ça. Alors, quand le monde entier te regarde, tu dois te poser. Tu sanctionnes les autres pour discipline. Tu finis par donner raison à tes détracteurs. Tu vas donner raison à André Onana. Vous n'aimez pas. C'est ceux qui lui disent la vérité que vous détestez. Quelqu'un dit la vérité à quelqu'un, vous le détestez. Vous voulez quoi alors? Vous voulez qu'il s'enfonce? Vous voulez qu'il atteigne l'abîme? Vous voulez le suicider? Parce que là, c'est le suicide. Faites attention. Quand un homme comme Samuel Eto'o atteint le niveau là, on doit le maîtriser. Quand un homme au niveau de Samuel Eto'o atteint le niveau là en public, c'est qu'il y a un problème. Soit on a atteint son ego, soit il est à bout. Et peut-être il tend la dépression. Faut faire attention. Ça ne manque pas, les signes ne manquent jamais. Quand un homme
d'une certaine catégorie, d'un certain niveau, fait ce que Samuel Eto'o a fait là. Faites attention. On ne doit pas blaguer avec. On ne doit pas blaguer avec. La parole, c'est sérieux, ce qu'il a fait là. Parce qu'on connaît que le genre de personne là a l'art de se maîtriser. C'est vous qui avez parlé. Samuel Eto'o, c'est déjà un homme politique. C'est un homme politique, il n'est plus n'importe qui. Il est ambassadeur de la FIFA. Il n'est plus salarié. Aujourd'hui, il est un patron de football. Donc demain, il peut être président de la FIFA. Et il doit servir de bon exemple. Parce qu'il est bien partant pour être candidat, même à la FIFA. Mais demain, on peut utiliser ce comportement-là à son encontre. Utiliser ce comportement-là à son encontre et il est disqualifié. Laissez, le monde, c'est la politique. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, on te soutient. Mais le jour que tu aspires au sommet des sommets, on te dit que non, tu avais raison. Mais comme tu aspires faire telle chose, vraiment, tu n'as pas la maîtrise pour être cela. On te met de côté. Dominique Rostrand. Voilà Dominique Rostrand. Dominique Rostrand. Est-ce qu'on avait interdit de se présenter aux élections? Mais lui seul, ce qu'il avait fait, lui-même il a renoncé seul. Est-ce qu'on avait interdit la candidature de Dominique Rostrand aux élections? Jamais de la vie. Dominique Rostrand. On n'a jamais interdit la candidature de Dominique Rostrand. Mais, lui-même, il a su ce qu'il devait faire. Vous parlez comme ça là. Vous aimez trop Samuel Eto'o. Ok, aimez-la alors. Moto. Aimez-la alors. Comme si les autres ne sont pas Camerounais. Ah, dis donc. Vous embrouillez les gens même. Non, Banga Diaspora. Mon frère, il mange chez lui. Il mange chez lui. Voilà. J'étais son voisin ici, hein, en au moins 8 ans. Banga Diaspora, tu es jaloux. Tu es jaloux de lui. Mon frère, je me suffis. Hein, pas besoin. Voilà. Je peux manger 3 fois par jour. Et pas besoin. Voilà. Donc, les gens qui viennent s'asseoir là, non, Banga Diaspora, tu es trop jaloux. Mon frère, on est jaloux de quelqu'un quand c'est qu'un jour on peut avoir son niveau d'argent. Est-ce que je n'aurai peut-être jamais le niveau d'argent de Samuel Eto'o? Je suis jaloux de lui comment? Parfois on est jaloux de son égal. Je suis jaloux de lui que comment? Alors? Son défaut c'est qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est tout. Il y a des choses qu'il tient comme langage, qu'il ne devrait pas dire. Il est mal conseillé. Enfin le système est en train de sucer Samuel Eto'o. Et la démarche ne peut que plaire au système. Ça veut dire que quoi? Le système est en train de sucer Samuel Eto'o. Et c'est la preuve qu'on garde contre lui. Voilà un gars qu'il était même présidentiable dans ce pays. Samuel Eto'o est en train de se vider spirituellement et physiquement même. Même intellectuellement. Voilà un gars que facilement, il pouvait être présidentiable dans ce pays. Mais on est en train de dépouiller le gars. On dépouille le gars. Ouais, tu restes à mon vision, je ne fais pas la politique. C'est mon patron qui fait la politique. Mais ailleurs, il y a les ministres qui n'ont pas de parti politique. Il y a des ministres qui n'ont pas de parti politique. On les nomme ministres à cause de leur compétence. Que bon, monsieur, vous êtes économiste. Viens gérer l'affaire d'économie au Cameroun. Monsieur, vous êtes juriste. Viens gérer l'affaire de droit au Cameroun. Comme à l'époque, le président Maurice Kamto. Alors, comme à l'époque, au temps de Maurice Kamto, il était ministre au temps de Paul Biya, mais sans jamais être dans un parti politique. Mais oui, on a été dépouillé l'homme, je ne fais pas la politique. Voilà comment on est en train d'annuler un gars, on annule la vie d'un gars, on annule. Voilà un monsieur qui pourrait jouer un rôle pour l'attenant dans ce pays. On est en train de sucer le gars spirituellement.
lui fait dire les choses constamment. Et non, ça c'est un message qui passe comme ça là. Il passe le message à étudier. Quand je ne regarde pas où tu es place, Samuel Eto'o, tu vas faire la politique même par force. Nous, on va t'obliger à faire la politique là. On t'attend, tu dois faire la politique. Tu peux être champion d'Afrique, tu dis que je ne fais pas la politique. Qui t'a dit ça? Tu dois faire la politique là. Voilà, tu dois que faire la politique. Si tu refuses, je vais créer un parti pour toi. Voilà. Voilà. Non, quel pays ça même? Merde, tu dois faire la politique. Mais non, je ne fais pas mal la politique. C'est mon. Les bébéto, tout ça, ils sont sénateurs. Georges Weah est politicien. En fait, tout est politique. Hein. Voilà, c'est qui ne connaît pas lui-même. Non, c'est ça qui m'énerve alors. C'est ça qui m'énerve. Tout est politique. Il faut que vous compreniez ça. Tout est politique. Même la politique, on le pratique à la maison avec ses enfants. Pour la bonne marche de la famille, c'est la politique. Même la fécafoot, c'est la politique. La politique n'est pas seulement pour avoir un poste ministériel ou bien pour être député. Non. La politique, c'est l'art de gouverner, l'art de diriger la société, la politique. C'est ça la politique, la définition de la politique. Et Samuel Eto'o reste là. Hein? Et vous allez voir, il avait les atalakoutistes. On ne lui dit pas la vérité. Que, oh, Moto, ne dis pas tes choses. Ne dis pas tes choses, Samuel Eto'o. Mais oui, parce qu'un matin, on peut pardonner tes erreurs. Mais oui, et on ne sait jamais. Un matin, tu peux te présenter. Mais oui, tu peux te présenter. Et tu deviens président. Il y a quoi? Tu n'es pas Camerounais. Tu es Camerounais. Et quand on parle du football, on parle de toi. C'est clair. Alors, on va beau parler dans la vie. Tu n'as pas triché pour réussir. Non, on dépouille l'homme. On est en train de dépouiller l'homme. On dépouille l'homme spirituellement. On dépouille l'homme. Ce n'est pas de sa faute. Il veut voir ses enfants grandir. Il connaît. S'il ne fait pas ça, on le cancel l'entro au Cameroun. On lui dit que tu es espagnol. Vous croyez qu'il est devenu président de la Fécafoot comme ça là? Et il y a eu un deal. Vous croyez qu'il est devenu président de la Fécafoot comme ça là? Il y a eu un deal, mon frère. Pourquoi c'est facile? On ne te donne rien pour rien. Non, il y a eu un deal. Même au temps de Seydou Bobo Dia, Samuel Eto'o était président de la Fécafoot. C'est lui qui était derrière. Il y a eu un deal. C'est tout. Il y a eu un deal. Il a prémédité depuis. Donc voilà. Donc vraiment, il faut qu'on arrête ça. Donc mes chers petits frères et sœurs, vraiment, vous qui êtes en Algérie là, nous, moi, je suis un beau ailleurs. Laissez les commentaires que les gens vont venir parler en gueulant les gens. Vous savez bien que l'Inkassa vous suivez sur vos pages. Il dit Kassama. Avant de répondre à un Algérien sur ta page, sache qu'il y a les Camerounais en Algérie, mon frère, ma soeur. Arrêtons la grande gueule. Il y a des gens, nous sommes malades, mais ils sont plus malades que nous. Je n'encourage pas qu'on fasse du mal à mes frères. Mais je protège mes frères. Quand j'avais encore beaucoup d'audience sur ma page, j'avais au moins 5 Algériens qui me taquinaient chaque temps. Je ne réponds pas. Arrêtons la gueule là. Peut-être tu n'en vis pas les Algériens, mais tes frères les envient. Parce que tes frères utilisent la route, leur route pour aller en Europe, là où tu es. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller en Europe par avion. C'est pas tout le monde qui aura la chance d'avoir le visa. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Et avant de commencer certains combats, il faut penser que, est-ce que ma famille est en sécurité? Est-ce que ma femme est en sécurité? Est-ce que mes enfants sont en sécurité? C'est comme ça un vrai combattant. Un vrai combattant ne fait pas seulement... Va ouvrir la porte là avec les enfants. Un vrai combattant, avant de faire n'importe quoi, tu dois chercher à savoir ce que je fais cela. Est-ce que ma famille est en sécurité? Nous tous on peut faire les vidéos sur les Algériens. Moi, on ne le fait pas. Parce que nous, on connaît. Je peux me parler en arabe. Parce que je parle bien arabe. Je peux parler en arabe.
Mais on ne peut pas parler parce qu'on connaît. On ne peut pas parler parce qu'on les connaît. On connaît leur comportement. Et quand tu sens que tu ne peux rien dire, qui va profiter à tes frères? Calme-toi. Voilà ça, on est en train de faire du mal à nos frères là-bas. Tu peux aller soutenir. Tu peux aller les protéger. Non, tu peux aller les protéger. Donc, à un certain moment de la vie là, au lieu de parler, on se calme. Restons calmes. Restons calmes. Pour ceux qui connaissent les Algériens, les Arabes, je savais tout qu'ils devaient avoir les représailles. C'est les gens malades. C'est les gens qui ont le niveau de... Ils ont le niveau de compréhension compliqué. Compliqué. C'est le pourquoi ils ont les dictatures chez eux. Mais les dictatures ne peuvent jamais être comme le nôtre. Et ils mangent au moins, ils dorment bien. Si le président tente de les sévrer de la nourriture, de l'eau à boire, de la lumière, il part le lendemain. Il part le lendemain. Dans les pays arabes, le président n'est que là honorifiquement. Le roi n'est que là honorifiquement. Ils ont le concept européen. J'ai compris, tu as dit mon frère que nous sommes tous des francophones. Ils ne sont pas les francophones. Ils ont les langues. Ils sont arabes. Ils parlent la langue arabe. C'est toi qui es francophone, gars. Mais avant de parler souvent, là, il faut se ressaisir. Parler les choses comme il se faut, mon frère Waman. Les arabes sont les arabes. Ils ne sont pas francophones. On les a imposés, mais on n'a pas pu les imposer. Ils sont comme les asiatiques. La colonisation ne les a pas dominés. La colonisation n'a rien enlevé chez eux. Mais c'est la colonisation qui nous a tout pris. L'homme arabe vient être polygame en Europe. Vous le mettez trop l'œil. Il contourne vos lois. Il met ses deux femmes dans deux maisons différentes. Donc il nous dépasse. Calmons-nous. Allez, mettons le bruit de côté. C'est vous qui manquez la route. C'est vous qui manquez les hôpitaux. Il n'y a pas de clash entre le football. Mais si on exagère, ils prennent ça en considération. Et ils ne savent pas clasher. Ils ne savent pas clasher. Le Eni là, le Eni Mohamed là, lui c'est un wise man. Il fait son buzz, il casse sa télévision, il est dans son concept. Mais les autres, eux, ils vivent la réalité. Ils ne savent pas que c'est le buzz. Ils ne savent pas que c'est le buzz. Donc je supplie les blogueurs, fermez vos gueules s'il vous plaît. Fermez vos gueules, arrêtez de parler. Arrêtez de prononcer le nom algérien. Je m'adresse à vous là, vous êtes parti là-bas. On connaît, il faut justifier votre argent. Justifier votre salaire, vous êtes parti en Algérie. Mais vous n'avez jamais été là-bas. Laissez les Camerounais tranquilles. Il y a les Camerounais là-bas. Hein. Celui qui est courageux, allons à l'ambassade de l'Algérie au Cameroun. Moi, je suis prêt. On part à l'ambassade de l'Algérie au Cameroun. Si celui qui est courageux, allons à l'ambassade de l'Algérie au Cameroun. Celui qui est courageux, on part là-bas, devant l'ambassade. Je suis prêt. La dernière fois, il a dit qu'on part. La dernière fois, il a demandé qu'on part revendiquer. On part revendiquer les morts, nos petits frères qui sont décédés au Maroc. Je n'ai que reçu deux personnes seulement. Et c'est à cause de ça qu'on m'a bloqué comme ça là. C'est à cause de ça qu'on a resté ma page. C'est à cause de ça qu'on a resté ma page. Vous étiez même incapable de cotiser. J'avais demandé qu'on parte à l'ambassade du Maroc. Le Safara. Marocia. Fille Cameroun. L'ambassade du Maroc au Cameroun. J'avais demandé qu'on parte là-bas. On a témé près de 10 de nos frères. Vous avez fait quoi? Dans l'enclave de Ceuta et Melilla. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Donc arrêtez de parler. Laissez ça tranquille, pardon. Nous, je sais que oui, chacun profite de ça pour chercher les vues. Mais sachez que on n'a rien à discuter avec eux. Le football ne développe pas un pays. Les Algériens n'ont pas besoin du football pour avoir le goudron chez eux, pour avoir la lumière chez eux, pour avoir l'eau chez eux. Ils ont tout. Ils ont ce que vous n'avez pas. On s'en fout du sport. Il y a beaucoup de sport. On s'en fout de ça. Si mais parlons de l'histoire, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ils ont botté hors d'état de nuit la France. La France, c'est le seul département outre-mer que jusqu'à aujourd'hui, la France regrette. C'est le seul département outre-mer. C'est la seule colonie que jusqu'à aujourd'hui, la France regrette. Les Algériens. Donc si c'est courage là, ils sont courageux. Donc laissez les bruits qu'on fait là. Ils imposent les lois en Europe. Ils imposent les lois partout où ils se trouvent. Donc laissons les bruits là quand on veut s'asseoir.
Quand on veut parler à nos frères, on fait comme si non, 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 ne faites pas ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a pas match. Voilà. Même avant de clasher quelqu'un, connais tes faiblesses. Connais ses forces. Connais ses faiblesses. Connais tes forces. Maintenant, tu peux parler. Limitons-nous sur le football. Mais ne parlons pas culturellement, tout et tout. Même en Europe, ils sont plus installés que vous. C'est les seuls qui arrivent après un an, on leur donne un long séjour. Vous, on vous manque le respect. C'est les seuls qu'à moins de quelques temps, on leur propose la nationalité. Malgré qui casse, malgré qui vole, malgré qui ne travaille pas, ils sont privilégiés. C'est les seuls. La France manque le respect à l'ambassade algérienne en France. Le lendemain, on manque le respect à l'ambassade de France en Algérie. Donc, il n'y a pas de match. Calmez-vous. Vous êtes dans un pays où c'est l'ambassade de France qui vient vous faire voir votre président. Donc, calmez-vous là. Calmez-vous. C'est parce que vous sortez là un peu trop. Non, je sais que vous avez peur de prendre position. Mais quand vous ne pouvez pas prendre position, calmez les tensions. Calmez les Algériens qui vous suivent sur vos pages. Calmez vos frères. Protégez vos frères qui sont là-bas. Parce que vous êtes plus nombreux là-bas que eux, ils sont nombreux chez vous. Vous êtes plus nombreux là-bas. S'il n'y a rien en Algérie, il y a plus de... S'il n'y a rien en Algérie, il y a au moins 5 000. 5 000 seulement. 5 000 seulement. S'il n'y a rien en Algérie, il y a au moins 10 000, 8 000 Camerounais en Algérie. S'il n'y a rien. Donc, c'est là comme un village. Donc, arrêtez ça. Ne parlez plus de ça. Même parler, c'est un don. On ne parle pas sur tout. Ça c'est déjà la géopolitique. C'est déjà politique comme ça, là. C'est déjà politique. Ça sort déjà du cadre du football. Ça devient déjà politique. Donc, laissez les activistes mener cette action. Ce n'est pas une affaire de blogueur, influenceur. Ce n'est pas votre niveau. Voilà. Ça concerne déjà le niveau. Et ce n'est pas une affaire de fréquenter ou bien avoir appris la politique. C'est un don. C'est un don. Quand on sait que l'ennemi avec qui je discute a un problème d'incompréhension, ou bien il a sa culture, ou bien il a sa tradition, on sait comment le parler. Il est différent. Je prends un exemple. Nous sommes ici à Douala, Yaoundé. La majorité des gardiens de maison sont nos frères du Nord. Avec le temps, j'ai remarqué, quand c'est moi qui gronde un, il prend ça tranquillement, il fait ce que j'ai fait, il demande les excuses. Mais j'ai fait un constat, quand c'est ma femme qui le gronde, il prend ça autrement. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Et vous savez, la tradition prend tout le dessus sur l'éducation que tu peux recevoir ailleurs. Nos frères du Nord, et la majorité, c'est des chrétiens, hein. D'ailleurs, toi, l'homme, tu parles, il n'y a pas un problème. Tu l'insultes, mais il n'y a pas un problème. Mais quand c'est la femme, il prend ça autrement. Donc, c'est comme ça que nos frères du haut, là, du nord, là-bas, du Maghreb, se comportent. Vous qui avez l'audience, quand vous parlez, vous avez beaucoup de vues, tout et tout. Apprenez à bien parler. S'il vous plaît. Apprenez à calmer les ardeurs. Apprenez à calmer les tensions. C'est très important. C'est très important. Nous, on prend ça en buzz. Mais ils font pas ça en buzz. Ça veut dire que voilà un garçon qui pouvait même faire du mal à Samuel Eto'o, même physiquement. Imaginez ce qu'il pouvait faire à Samuel Eto'o. Donc, c'est pourquoi Samuel Eto'o, j'ai interpellé Samuel Eto'o de se mettre sur ses gardes. Si, parce qu'ils ont perdu, ils ont terminé notre frère et bossé. Vous croyez que c'est quoi? C'est les gens qui versent le sang. C'est les gens pour rien qui versent le sang. C'est les gens pour rien qui versent le sang. C'est les gens qui versent le sang. Donc il faut beaucoup faire attention à ces gens. Il faut et Samuel Eto'o doit se mettre sur ses gardes. Parce que celui-là ne fait pas ça pour rien. Ça veut dire qu'il y a les gens derrière lui. Il ne fait pas ça pour rien. Donc c'est pour dire que Samuel Eto'o, n'importe où il est maintenant, il faut qu'il se protège. Parce que ces gens-là ne digèrent pas le fait qu'on les a gagnés. Ces gens ne digèrent pas. Et que ça serve de leçon à nos blogueurs, influenceurs là. Vous êtes là seulement là, regardez comment ça se passe. Regardez comment
Regardez comment le fait que les gens n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde commence à les énerver. Mais vous passez le temps à jubiler les défaites. Vous jubilez l'échec. Regardez comment les gars ne digèrent pas la défaite. Mais vous êtes là chaque jour. Non, on a gagné le Brésil. Même s'ils vont gagner la Coupe du Monde, ça nous appartient. Depuis quand on jubile la défaite? Depuis quand? Vous vous dites blogueur, influenceur. On ne parle pas peut-être parce qu'on a choisi de parler politique. Mais si on décide d'être influenceur là, au nom de Dieu, vous n'allez même pas voir le carreau. Vous n'avez rien d'influenceur. Vous n'avez rien d'influenceur. Vous avez quoi d'influenceur? Vous jubilez la défaite. Regardez comment un gars peut agresser Samuel Eto'o parce qu'il ne supporte pas toujours, il n'arrive pas à digérer la défaite. Regardez. Regardez jusqu'où ça va. Regardez jusqu'où ça va. Vous blaguez les gens là. Arrêtez de blaguer. Arrêtez de blaguer, pardon. Méfiez-vous, pardon. Je vous dis ça, moi j'ai mes petits frères en Algérie. Hein. J'ai mes petits frères de Mbanga là-bas, plein là-bas. Donc laissez-les tranquilles. Dans vos vidéos à la con là, quand vous êtes là, Samuel Eto'o a fait comme ça. C'est vous qui exagérez ça, vous êtes sur la toile. Samuel Eto'o a même demandé les excuses. Mais vous venez dire que non, il fallait botter même 10 fois. Pourquoi? Pourquoi? On ne soutient pas son frère dans la bêtise. Samuel Eto'o ne mange pas à ce pain-là. C'était une erreur. Kalas, on oublie. On oublie, c'était une erreur de sa part. Il a même demandé les excuses. Il a demandé les excuses. Nous tous sommes dans les petits frères en Algérie. Je suis sûr que c'est parce que Samuel Eto'o a demandé les excuses. Et regardez ce qui est en train de se passer là-bas. On est en train de blesser les gars là-bas. Et avec la complicité, et vous allez voir ces jours-ci, il y aura même les refoulements. Regardez, à cause du ballon, il y aura les refoulements. À cause du simple ballon, il y aura les refoulements. Et c'est normal. Voilà les enfants qui ne connaissent rien, qui vont se chercher. Bientôt, on va les prendre, les refouler. Et c'est ce qu'ils vont faire bientôt là. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Ils sont à la loupe. Ils sont aux aguets de l'actualité. Quand ça concerne le pays, ils ne sont pas comme nous là. Qu'on est dispersé, ils ne sont pas comme vous là. Vous avez botté un Algérien. Bon, maintenant, si un Camerounais meurt, ou bien si dit Camerounais meurt, vous avez fait comment? Parce que vous dites que vous voulez soutenir le frère. Nous tous sommes un Samuel Eto'o. Mais même le silence aussi, même se taire, c'est toujours une manière de communiquer. Vous êtes là, vous avez 500 000 abonnés. Vous avez 1 million d'abonnés. Vous avez 10 millions d'abonnés. Même le conseiller ne parle pas parce qu'il connaît. Mais vous êtes là parce que vous cherchez les vues. Vous cherchez le choco, les mendiants. Vous êtes devenus tous des mendiants. Vous êtes des mendiants. Même les gens talentueux, les gens que quand on a commencé, ils ont commencé sur TikTok, ils passaient les bons trucs. Hein, mais ils sont devenus tous, tout le monde est devenu mendiant sur Facebook. Tout le monde l'a talakou. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la talakou, l'argent de la talakou, on ne fait rien avec? Ça, c'est un constat que j'ai fait. J'ai marché avec des grands artistes du Cameroun en son temps. Mais allez voir à la fin ce qu'ils ont mis à terre. Rien. Les artistes qui ont l'argent, qui travaillent, qui ne font pas la talakou. Mon ami, Dédé Yango ne fait pas la talakou. Il a l'argent. Dédé Yango, il habite ici en haut. Il ne fait pas la talakou. Il a l'argent. Tous ces gens qui font la talakou là, ils n'ont rien. Ils sont là dans les petites locations ici, là, les deux chambres et un salon. Je vis à Bonamou, ça dit. On les voit là chaque jour. À peine ils ont une bonne voiture. Tu les vois chaque jour, panne sèche. Une petite voiture que quand la panne tombe sur ça, quand il y a une panne autour, c'est 20 000, 30 000. Ils sont là chaque jour, panne sèche. Tu vois, après ils vont te dire qu'ils sont les grands artistes. On les voit là chaque jour. D'autres sont même les piétons. Mais chaque jour, matin, midi, soir, fais la talakou. Mon frère, la talakou. Seul le travail paye. Tu ne peux que faire quelque chose avec ton salaire, avec ton vrai argent que tu as travaillé, avec ton argent que tu as risqué. L'argent de la talakou, c'est comme si c'est l'argent du diable. Franchement, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que moi j'ai fait. Il faut laisser ça, dis donc. Vous devez arrêter le comportement là. Voilà. Arrêtez ça. Donc, arrêtez de faire les vidéos là. Le blogueur, ou bien c'est TikToker, ou bien c'est quoi, qui va encore faire une vidéo sur l'affaire du Cameroun, de Samuel Eto'o là. Ça veut dire que
C'est un égoïste, il pense à lui seul. Il ne pense pas à nos frères de l'Algérie qui sont dans le pays du Maghreb. Eux-mêmes, ils veulent traverser. Eux-mêmes, ils veulent traverser. Je ne peux jamais me comporter mal avec certains pays parce que j'ai mes frères là-bas. La vie, c'est les intérêts. Même si ce n'est pas mes frères de sang, mais c'est par là que moi, je suis passé. C'est par là que mon petit frère même est passé. J'ai mes petits frères là-bas. J'ai l'enfant de ma voisine ici qui est là-bas. L'enfant de ma voisine, s'il n'a pas cherché le visa, il est passé là-bas. Il est entré l'autre jour. Donc, mon frère, ma soeur, je sais, tu n'envies rien aux Algériens, mais tes frères envient quelque chose là-bas. Les plus nombreux de la diaspora en Europe aujourd'hui sont les bosailleurs, sont les tilapia, la majorité. Bien bon, nous refusons les visas. Mais le jour qu'un zodiac entre, il y a au moins 50 Camerounais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc celui qui continue à faire les vidéos, au lieu de faire l'apaisement, continue à vouloir justifier le coup de pied de Samuel Eto'o, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne parce qu'il recherche les vues, mais en sacrifiant ses frères. Quand tu as 400 000 abonnés, quand tu as 1 million d'abonnés, sache que tu as au moins 10 000 Algériens sur ta page qui te suivent. Et depuis la CAN, ils sont tellement connectés, ils sont tellement aux aguets de tout ce qui est Camerounais. Ils sont aux aguets. Donc de grâce, vous devez faire des choses en tenant compte que nous avons une grande communauté. Et sachez que c'est l'un des rares pays où, bien beau, il n'y a pas de droit de l'homme, on peut te rapatrier n'importe quand. Mais n'importe quand, tu peux entrer, tu te débrouilles et tu cherches de quoi manger. C'est là où on prend l'élan, qu'on ne vous trompe pas. C'est en Algérie qu'on prend l'élan. Au Maroc, il n'y a presque rien là-bas. C'est en Algérie. Et la majorité des temps, c'est en Algérie qu'on peut prendre l'argent. Quand on te refoule, quand ça rate, le lampa-lampa, ou bien le jus du Boza, quand tu rates, tu rentres encore là-bas, tu chogo et puis tu remontes. Laissez ça. Il n'y a pas match. Tous les Bozaïeux connaissent. Tous les lampa-lampaïeux. Je parle lampa-lampa parce qu'à mon temps, on appelait ça lampa-lampa. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a changé le mot Boza. À mon temps, on appelait lampa-lampa. Voilà. Donc, le pays qu'on doit bénir, on doit prier chaque jour. Hein? Qui encaisse plus de réfugiés. Où beaucoup de réfugiés sont venus. Où ont pris la force. C'est en Algérie. L'Algérie est l'un des rares pays où un gars arrive en Beng. Il a ses économies sur lui, 5000 euros. Oui, qu'il a gardé. C'est l'Algérie. Nous devons respecter ce peuple-là. Arrêtons de croire que la vie se limite au ballon. C'est le pauvre qui se limite sa vie au sport. Hormis du sport, il y a la vraie vie. C'est le travail. Parce que les sportifs là, s'il n'y a pas le travail, si les gens ne travaillent pas, ils ne vont même pas jouer au ballon. Donc arrêtez ça. C'est moi qui vous parle. Voilà. Celui qui fait encore une vidéo à l'encontre des Algériens ou bien pour soutenir le coup de poing de Samuel Eto'o, je le réponds naturellement, simplement. Et je le remets à sa place. Je vais lui dire tout ce qu'il ne peut pas imaginer dans sa vie. Et il ne me fera rien. Vous êtes à la recherche de vues. Mais on est là pour le discernement. On est là pour éveiller les gens. Avant de partir créer des problèmes ou bien ajouter les problèmes sur les problèmes, sache qu'il y a tes frères là-bas et que les autres là, ne blaguent pas comme toi. Vous blaguez. Eux, ils ne blaguent pas. Eux, ils ne sont pas comme vous. Et ils ne sont pas vous blaguer. Ils ne sont pas comme vous que vous ne vous dormez affamé. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucun droit. Chez eux, les pages sont monétisées. Mais ici, chez vous, c'est vous. Vous envoyez vos pages ailleurs pour qu'on monétise. Donc, c'est deux mondes différents. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Vous dormez sans manger. Pendant ce temps, à étudier, il y a la lumière. Toute la lumière du monde est à étudier. Il n'y a pas ça chez eux. N'exactement Magab. Voilà. Il y a les produits, hein? Il y a les produits pour maigrir. Ah, il y a les produits pour maigrir. Achetez les produits, non, achetez les produits. Il y a les produits pour tirer sur l'anga. Achetez les produits, les gars. Mon petit, tu ne vas pas. Hein? Hein? C'est le 15, monsieur. Ouais, c'est le 15. Tu avais dit que c'est le 15.
Ouais, mon champion. Monsieur, apporte mon carton là. Voilà. Donc, le message est passé, non? Voilà. C'est que chacun veut passer sa vie. C'est pas parce que tu as les Algériens sur ta page que tu connais leur comportement. Non. C'est pas parce que tu as les Algériens sur ta page que tu connais le comportement. C'est pas parce que tu as les Marocains sur ta page que tu connais le comportement des Marocains. Non. Il faut avoir vécu là-bas pour les connaître. Voilà. Tu ne peux pas dire que je connais les Algériens. Je connais les plus nerveux des Arabes, c'est les Algériens. Les plus nerveux. Et voilà. En fait, peut-être c'est les deuxièmes les plus nerveux. Parce que les premiers nerveux là. Nerveux dans la bêtise, hein. Pas parce qu'ils sont trop intelligents. Nerveux pour rien. Les premiers, c'est les Libyens. Les deuxièmes, c'est les Algériens. Les troisièmes, c'est les Marocains. Les plus grands bandits arabes dans l'Afrique du Nord, c'est les Égyptiens. C'est leurs grands maîtres. Voilà, c'est les masters des masters. Pour ceux qui ne connaissent pas. Même quand tu arrives à l'aéroport du Caire, hein, on te dit que si tu es plus voleur, si tu es voleur, il y a plus grand voleur ici que toi. C'est écrit là-bas en arabe. Phil Intercliffy, j'ai oublié ça en arabe, ça fait longtemps. Voilà. Donc achetez les produits. Achetez les produits. Vous savez qu'en arabe, on appelle bandit que Clifty. Clifty. Voilà. Donc voilà les produits pour maigrir. 3 boîtes, tu perds 20 kilos. 3 boîtes, tu perds 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Quand moi, la panthère, voilà le produit alors. Pour finir, madame qui est en train de t'accuser que tu es fini là. Voilà le produit. Tout, si tu souffres d'éjaculation précoce. Tu sais que la politique, parfois, quand tu parles trop politique, hein, ça touche les nerfs. Et facilement, le bas là, ça meurt parfois. Donc, quand moi, la panthère, on voit le produit. Super Love, best-seller. Voilà. Ça va, tu vas bien t'aider sur madame. Peut-être les jumeaux vont venir autour aussi là. Voilà, voilà le produit. Super Love, best-seller. Voilà. On a le stock en France, en Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. On a là le stock en Allemagne. Voilà. Il y a là le stock en Allemagne. Voilà. On a le stock en Allemagne déjà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez à mon numéro 683-40-97-55. 683-40-97-55. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux et la barbe. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà le produit. Ah, c'est le produit bio, hein, naturel. Fait à base de plantes naturelles. Les produits qui nous viennent de l'Indonésie. Voilà le produit pour... la goutte. Voilà, si tu as la goutte. Waouh, quand moi, il faut acheter ça. Ça va beaucoup te faire du bien. C'est un très... Il y a ça en France là-bas. Donc, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Oui, Mamadou, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 62. Comme ça, là, je te passe le numéro de celle qui est en Allemagne et te vend ça. Elle a pris ça. Elle était au Cameroun l'autre jour. Elle a pris ça. Et elle a testé à son mari. Bon, elle a encore pris un stock. Elle a dit qu'elle peut vendre. Donc, si j'ai les clients, je l'envoie. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Il faut soutenir la page. Hein, soutenir la page. C'est le produit pour la goutte. Si tu as mal au pied. Voilà. Si tu as mal au pied, voilà le produit. Ah, vous allez voir les Camerounais, ils sont tous là, ils cherchent la facilité. Non, vous croyez? Non, faites attention. Votre facilité là, ça nous coûte cher. Vous ne voulez pas parler des vrais sujets. Vous êtes là, non, et ton fils a bien fait, il a mal fait. Nous tous on connaît. Il a la légitime défense, oui. Mais Eto'o n'est plus n'importe qui. Voilà. Eto'o n'est plus n'importe qui. Ouais, merci à toi, Kamo Yapanté. Eto'o n'est plus n'importe qui. Alors que tu peux te comporter simplement. Mais ça finit difficilement. Ça devient plus grave. Eto'o n'est plus n'importe qui. Donc ça veut dire que quand Eto'o fils se comporte avec un Camerounais, on peut gérer. Mais s'il se comporte avec un étranger, c'est trop grave. Les innocents peuvent payer le prix. Voilà. Eto'o fils est comme les Américains. Les États-Unis là. Ils peuvent chercher les problèmes.
Mais les citoyens paient le prix. Il y a les pays où les Américains ne vont pas. Parce qu'on risque de prendre l'Américain là pour cible. Mais oui. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Vous voyez même les grandes puissances, avant de faire n'importe quel problème avec un pays autre, protègent d'abord les citoyens dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a les représailles. Tu es fort, non? Ok, tu es fort. Tu m'attaques. Tu me donnes les coups de poing. Je vais m'attaquer à tes frères qui sont faibles. C'est comme ça. Il s'est vengé, c'est bien. Il s'est vengé, c'est bien. On adore. Mais on se calme. La vie, c'est l'hypocrisie. C'est bien dans ton cœur, mais tu ne ris pas. Tu ne jubiles pas. Tu te calmes. C'est pourquoi j'adore la culture musulmane. Les musulmans, tu vois un musulman en faim. Il a son petit plat de nourriture. Mais il t'invite de venir manger. Parce qu'il sait que tu ne dois pas venir. Et si tu viens dorénavant, il ne t'invite plus. Apprends à être sage. La meilleure façon de vivre pour longtemps sur la terre, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ton frère a raison. Mais de la mauvaise manière, tu te calmes. De la bonne manière, tu te calmes. On est encore trop émotif. L'émotion. Il y a un nouveau travail là. Les blogueurs, influenceurs de merde. Influenceurs pour les ventes seuls. Et les influenceurs, vous collectez les fonds. Vous ne pouvez pas aller dans le nozo là-bas faire des dons. Vous dites que vous êtes des influenceurs. Vous ne vendez pas votre pays. Vous bagarrez seulement pour avoir les billets d'avion. Aller ailleurs, faire les photos. Un influenceur aussi connaît dénoncer les mauvaises choses dans son pays. Il y a les poubelles partout. Allez vous filmer là-bas. Filmez-vous là-bas. Les influenceurs, c'est le jour qu'on arrive à Paris, qu'on passe filmer à la Tour Eiffel. C'est ça, influenceur. Filmez-vous au Cameroun. Vendez votre pays. Vendez la poussière, vendez la boue, vendez tout ce qui va avec. Il y a les champs de cacao. Vendez. C'est ça, on dit influenceur. Vendez l'huile de palme. Vendez. Il y a aussi des choses à vendre dans ce pays. Influenceur de merde. N'importe quoi. Vous voulez parler sur tout. Vous voulez tout dire sur tout. On profite de rien dans tout ce que vous pouvez dire là. À part les vues là, que vous recherchez là. Avec les followers, moutons qui vous suivent. Vous pouvez enseigner quoi? On vous a dit marcher. Un vrai influenceur se balade, il découvre le monde. Un influenceur, ce n'est pas seulement rester dans son pays là. Ou bien payer le billet d'avion aller à Dubaï. Tu pars à Dubaï 100 ans, tu ne connaîtras rien. Les Dubaï ont été là-bas en 2000. 2000, quand c'était encore... Quand c'était encore bête, quand Dubaï ne ressemblait à rien à l'époque. Voilà comment on dit un influenceur. Tu peux parler plusieurs langues. Tu découvres le pays. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu fais 2 ans là-bas. Tu changes de pays. Et il y a un influenceur indonésien, il fait les millions de vues. Il est ici au Gabon. C'est ça un influenceur. Baladez-vous, allez ailleurs. Votre moins cher, votre ami, tout, c'est la Côte d'Ivoire. Allez en Angola. Découvrez le monde. Faites voir le monde entier à votre pays. Voilà ce qu'on dit influenceur. Tu dépends ton argent dans le transport. Tu te balades. Influenceur de merde. Et avec quel influenceur même? Baladez-vous. Allez dans les pays comme l'Ouganda, la Tanzanie. L'histoire ne s'arrête pas au Cameroun. Voyagez, allez au Kenya. C'est les grands pays. C'est l'histoire. Il y a même l'histoire. Ils sont même dans votre fameuse Bible là. Il y a le Kenya dans la Bible. Voyagez, allez au Soudan. Voyagez, allez au Sud-Soudan. À Djouba, la capitale. Voyagez, découvrez le monde. Découvrez le monde, c'est ça on dit influenceur. Partagez les idées avec vos frères. Ah, un monde d'erreur, il est parti. Non, le monde est dépassé. La France, tout ça, ils n'ont plus rien à vendre. C'est ancien. Découvrez le monde. Nous sommes arrivés à Visa en Papouasie. Non, au Timor. Voyager, allez au Timor. Bah, le pays, c'est loin. Tu perds ton billet d'avion aussi, tu peux au Timor. Au Timor de l'Est. Tu vas loin là-bas. Hein? Tu arrives là-bas, tu te bats, tu cherches le visa. Tu arrives en Nouvelle-Calédonie. Aux îles Salomon. Il faut voyager. Voyager, découvrir le monde. Moi, j'étais là-bas. Les passeports camerounais sont arrivés à Visa. Voyager. Voyager. Vous ne voyagez pas. C'est quoi, vous ne pouvez pas convaincre les gens. Nous, on vous voit, on rit. Moi, particulièrement, quand je vous vois, je ris. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec quelqu'un qui n'a pas voyagé? Il n'a rien à me dire. Quand quelqu'un n'a pas voyagé, moi, là,
je sais que Darigo il est à 20% de connaissances. 20%. Un homme qui n'a pas voyagé a 20% de connaissances. Il ne connaît rien. Lui, quoi connaître? Il ne connaît rien. Puisque le voyage cultive. Connaître les cultures, c'est une richesse des uns et des autres. Connaître comment l'Européen vit, l'Américain vit. Connaître comment l'Asiatique vit. Connaître comment eux ils vivent. Avec la lutte que nous on a là, on ne peut jamais sortir du joug des Occidentaux, des colons, jamais de la vie. Quand tu vas en Asie, quand tu arrives en Asie, depuis l'aéroport, quand tu es un étranger, tu commences à être espionné. Tout le monde t'espionne. Ce n'est pas la même personne qui te suit. Mais toute personne qui te rencontre nouvellement, il sent que voici un étranger. On lit ta gestuelle. On voit ta manière de faire. Ce que tu fais pendant au moins une semaine, un mois, avant qu'on te lâche, on dit, non, celui-ci n'est pas un danger. Quand l'Européen arrive en Asie, il est contrôlé dès son premier jour jusqu'au jour de... C'est comme ça. Mais ici, là, quand on voit le blanc au quartier, tout le monde commence à l'aimer. On lui donne nos femmes. Ils sont les prêtres partout dans les églises, dans les villages. Ils sont les pasteurs dans les villages. Tout et tout. Ils enseignent nos sœurs. Ils font n'importe quoi. On les regarde. Après, ils vont. Ils volent les connaissances. Ils fuient avec. Parce qu'on est derrière. On est complexé. On est complexé. Maintenant, quand le frère qui a voyagé arrive, vous l'empoisonnez. Le Camerounais du Cameroun, sache que toi, tu ne peux rien être sans ton frère qui a voyagé. Jamais. Le Cameroun ne peut pas se développer sans sa diaspora. Jamais. Parce que être libre de l'esprit, c'est la plus grande richesse du monde. La plus grande richesse du monde, c'est l'esprit. Quand ton esprit est libre, l'argent vient après. Sauf que quand tu n'as pas l'esprit libre, même l'argent, tu auras de la peine à l'avoir. Donc un homme doit être libre spirituellement. Voilà. C'est clair. Passez une bonne journée. Je vous remercie.